Je reprends mon souffle. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais me mettre face à la lumière. Nous sommes donc du coup lundi matin. Je suis claquée comme jamais. Je pense que ça se voit à ma tête là. Non mais je suis super fatiguée. J'ai passé un week-end de merde hein, clairement. J'ai été malade. J'avais extrêmement mal au ventre. J'avais des nausées et tout. Enfin bref. J'étais pas bien du tout. Mais c'est qu'en fait Antonin a vomi et je pense que... j'ai été un petit peu barbouillée suite au nettoyage de tout ça parce que ça a commencé à 6h et des bananes et ensuite à 9h et quelques et après depuis que j'ai nettoyé tout ça j'étais voilà. Mais lui il allait très bien et il va très bien maintenant également. D'ailleurs c'est les vacances scolaires et il est au périscolaire quoi pour les vacances. Voilà, aujourd'hui donc je n'ai personne à la maison. Je suis passée chercher mon drive, j'étais chez Carrefour cette fois pour changer parce que j'avais un bon de 8 euros à partir de 50 euros d'achat et j'avais 10 euros sur ma carte donc du coup j'ai fait une belle économie donc j'y étais, donc les courses sont là. Et je suis passée également chez Action donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ok Google, stop. Bon, course rangée. Sauf le lait là. Je vais aller le mettre en bas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de ça là, j'ai commencé à retirer un petit peu ce matin. Je vais tout virer. Je vais tout virer parce que j'ai fait une grosse commande sur Ikea et j'ai pris un Pax pour mettre ici parce que les rangements ouverts, enfin plus jamais les amis, je sais pas du tout pourquoi j'ai fait une chose pareille. Je sais très bien que les rangements ouverts c'est... Je sais très bien que les rangements ouverts c'est porte ouverte au bordel, vous voyez. On voit tout de suite, enfin ça va pas. Donc plus jamais de rangements ouverts. D'ailleurs je vous déconseille les rangements ouverts. Hein. C'est une horreur. J'ai pris aussi donc de quoi faire ma buanderie en bas. Pour la ranger plutôt. Et on verra après pour la faire vraiment, le mot faire. J'ai très mal à la tête, je croyais avoir encore de l'ibuprofène mais c'est pas du tout le cas. Je sais pas comment je vais faire. Oh là là. Non, j'ai plus de doliprane. J'ai plus d'ibuprofène. Oh purée. Non mais faut vraiment que je passe à la pharmacie quoi. Je vais jamais survivre, j'ai trop mal au crâne. Bon bah je crois que je suis bonne pour retourner, je vais retourner en ville hein, parce que sinon je vais jamais survivre à ça. C'est sûr et certain même, c'est même pas je crois, c'est sûr. Bon. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai pris chez Action et puis je vais retourner en ville. Alors Action j'ai pris principalement des choses pour faire des DIY. Ça franchement j'ai adoré. C'est un lot de 3 couronnes. Donc j'ai des petites idées, on verra ça ensemble. Parce que j'ai reçu la Cricut Maker. Voilà pourquoi je vous parle de DIY. Vous savez que j'avais la Joy, mais voilà, j'ai pris la Maker. Parce que on peut faire des projets beaucoup plus gros et j'ai des idées que je peux pas faire avec la Joy. Donc du coup la Maker va bien me servir, surtout qu'en plus il y a des nouveautés, notamment l'infusible ink. Qui est un transfert sur vêtements qui est incroyable. Enfin, vraiment, il n'y a aucun effet de matière. Je vous montrerai ça plus tard. Voilà. J'ai pris un vase. Et des petits pics. Voilà. J'ai envie de faire un bouquet de fleurs. Donc voilà. Papier sulfu.
pistolet à colle chaude. D'ailleurs, pour ça qu'en veut un, 2,99€ chez Action. Et du coup, bah, j'ai pris des recharges. Hein. Elles étaient à 1,20€, je crois. Et il y a, parce que je les voulais transparents, mais il y en a avec un petit peu de jaune qui était à 99 centimes. Un pot à lait, là. Bref. Mais j'ai pas pris pour faire un pot à lait. Hein. Voilà. Je sais pas si mon bouquet de fleurs, je vais le mettre dans ça ou dans ça. Donc, du coup, j'ai pris les deux. J'ai repris deux scotch. Hein, les envois vintage, vous connaissez. Ensuite, j'ai pris du papier. Donc, il y avait du papier à l'intérieur, là, qui me plaisait bien. Ils sont vraiment bien, ces papiers-là. Donc, ceux-là, j'ai bien aimé. Ceux-là aussi. Enfin, bref. Il y avait pas mal de papiers sympas. Donc, j'ai pris le book complet. J'ai pris des coloriages pour Robin et Antonin. Voilà. Ils adorent faire ça. J'ai repris du papier A4, mais comme ça. Voilà. Et celui-là, je l'ai trouvé sympa. Pour faire des cartes comme ça. Sympa comme tout. Donc il y a un mix de plusieurs couleurs. J'ai pris deux tons. J'ai repris de la glue parce que j'en avais plus. J'ai pris des bottes pour Antonin. Parce qu'en fait, au périscolaire, ils ont besoin de bottes. Parce qu'ils vont aller faire une chasse au trésor ou je sais pas trop quoi là. Donc du coup, il leur faut des bottes. Donc j'ai trouvé des bottes chez Action. C'est très bien, je crois qu'elles étaient à 7€. Et je me suis pris des claquettes. Parce qu'en fait, j'ai des chaussons, mais des chaussons moumoutes. Je crève de chaud dedans. Donc j'ai pris des claquettes, c'est plus durable. On s'en fout, on est à la maison. Et j'en ai pris également pour Alex. Voilà. Et il a des grands panards, lui. Il fait du 45. Dites-moi, ils font du combien vos copains, vos maris, bref. Ils font du combien, 45 Moi, je fais du 39. Les machins, quoi. Ça fait mes avant-bras, s'il vous plaît. C'est un truc de fou. Et puis, bah, du coup, ça, c'est le deuxième scotch. Voilà. J'en ai eu pour 46€, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est que j'ai des idées vraiment bien définies dans ma tête. Donc, je vais essayer de faire ça avec ma Cricut. Je vais peut-être profiter du fait d'être seule aujourd'hui pour commencer mes projets. Mais j'ai AG10 qui vient avec la livraison Ikea entre midi et 14h, je crois. Donc, sachant qu'il est 10h30, il me reste une petite marge. Donc, je vais passer d'abord à la pharmacie chercher de quoi soulager ma tête. Et puis ensuite on démontera ensemble le couloir pour pouvoir tout virer quoi. Et ensuite monter le Pax quand il arrivera. Voilà, j'ai aussi du linge. Mais en tout cas ça s'est plié, il y a juste ça à vérifier si c'est sec ou pas et à plier ensuite. Puis ranger les panières. Et on sera bon, donc ça va. Niveau linge en ce moment je suis assez organisée. Et d'ailleurs je vais acheter une nouvelle machine, un nouveau sèche-linge. Et voilà, pour pouvoir faire ma buanderie complètement. Parce que j'en ai marre en fait d'avoir une pièce qui ressemble à rien. C'est vrai que c'est pas trop agréable pour faire tes machines et tout. Le sol c'est le béton brut. Les murs c'est directement le placo mais sans bande et tout. Enfin voilà, c'est vraiment laissé comme ça dans le garage. Donc j'ai vraiment envie de faire une pièce qui m'intéresse. Ou dans laquelle j'ai envie de mettre mes pieds. Voilà. Et pour le moment c'est pas le cas. Donc... je vais tout racheter, je vais tout refaire bien, je vais vendre mes machines parce qu'elles sont encore en très bon état, il n'y a pas de problème. Et il faut que j'appelle Emmaüs aussi pour qu'il vienne chercher des meubles. Comme ça, hop, je me fais pas, je m'embête pas quoi, enfin voilà, je préfère donner. Et puis voilà, d'ailleurs en parlant de donner à Emmaüs, j'ai donné énormément de petits cheveux, j'ai donné énormément de choses pour Emmaüs ces derniers temps. J'aurais très bien pu vendre, mais bon, au moins ça part plus rapidement et puis ça fait plaisir à petit prix pour des personnes qui en ont besoin. Allez, 10h35, je m'accoutume. Ah non, faut que je vous montre ça avant, vraiment. Je sais pas si il y a des fans de... Désolée, je mange mon chewing-gum, vous entendez peut-être le bruit, c'est insupportable. Des fans de Polly Pocket, mais alors ce Polly Pocket là qui est le grand cœur de mariage, là je sais plus quoi. Franchement, c'est celui-là. Qui est mon préféré de tous les temps. C'est avec celui-là que je jouais quand j'étais petite. Ma soeur l'avait en fait. Et moi j'en étais complètement fan quoi. Ce Polly Pocket c'est toute ma vie. Quand vous bougez la fontaine là, vous faites donc du coup avancer les petits personnages à les marier. Pour vous allez mettre oh. Vous avez donc les côtés. Vous avez écurie ici. Hop là, ici bien entendu ça s'ouvre.
Voilà, on a ici donc le petit ascenseur. On a là, ça s'ouvre également. Enfin bref, je suis trop... J'adore. Bon allez, j'enfile mes baskets. Alors aujourd'hui, franchement, je me suis pas foulée. Hein. Je suis en jogging. Donc c'est la collection unisex de Sense Apart. Donc voilà. Il y a des reflets dégoûtants sur mon miroir. Ça, c'est les petits. Hein. Enfin, pour les mamans, les assistantes maternelles, vous savez que les miroirs et les fenêtres, etc. Enfin, bref, adieu. Bon, bref, on est trop bien dedans, quoi. J'ai eu ça avec un t-shirt tout simple. Et ça va très bien. Bon, je vais remettre mon cuir. Et je vais partir pour la pharmacie. Je m'étais dit, non, je m'arrête pas à la pharmacie. Je suis sûre, il me reste au moins un ibuprofène. Et puis, j'irai à la pharmacie ce soir. Absolument pas. Hein. Rien du tout, quoi. Mais bon. Si vous saviez à quel point ça me fait hein, d'y retourner. Bon, c'est bon, j'ai avalé mon médicament. Bon, maintenant je vais prendre mon trépied, je vais vous installer là et je vais commencer à démonter ça. Par contre, je viens de voir que j'ai tout ça aussi à plier et ranger. Non mais je croyais que j'avais que ce que j'avais là-bas, mais absolument pas. Ça donne chaud. Hein. Ça fait dégueulasse, sérieux. Heureusement qu'il y aura quelque chose, non? C'est abusé. C'est trop bizarre, franchement. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Ça m'a l'air bon. Vous dire qu'avec une vis comme ça, l'aspirateur il risquait pas de se barrer. Hein. Bon, bah écoutez, je suis contente. Ça c'est fait. J'ai pas mis longtemps. En même temps, faut pas. Ça non, c'est pas non plus très compliqué. Donc maintenant, ce que je vais faire, bah. C'est boire un coup, attendre que le livreur arrive entre midi et 14h. Voilà ce que je vais faire. J'ai pas du tout, mais alors pas un brin d'envie de faire mon linge là. Donc je le ferai tout à l'heure ou ce soir, je sais pas, un des deux. Je vais peut-être commencer à voir un peu au niveau de la cricket ce qui m'intéresse à faire comme projet. Vu que j'ai des idées, j'aimerais bien commencer à mettre ça en place. Donc moi, je vous retrouverai de toute façon à la livraison. À la livraison Ikea et puis au montage du meuble. Sachant que ça fait 2m36 si je ne me trompe pas. Donc il va falloir que je monte le meuble dans cet espace-là. Parce qu'on a une voûte ici. Hop. Et ça ne passera jamais. Si je monte le meuble dans le salon ou dans l'entrée. Donc du coup, pas le choix. Il faudra que je le fasse ici. Il fait 1m50 ou 1m55? 1m50? 7 et 7, 14. 5 et 5, 10. 1m50. 1m50 par 2m36. Donc du coup, je suis obligée de monter ici. Voilà pour ça. Bon bah écoutez, hein, on se retrouvera après. Ils sont arrivés! Je vous mets là-bas. Bon, c'était une péripétie, hein. Moi je vous le dis, pour me faire livrer, là on est dans la chambre des petits que j'ai en accueil. Quelle péripétie, bouf. Allez, ils ont enfin trouvé le chemin de la maison. Donc voilà, tout est là, j'ai... Ah bah et du coup, mon sol qui est dégueulasse, bien entendu. Donc bah il va falloir que je bouge tout parce qu'en fait ils ont mis ça n'importe comment. Bon, c'est pas grave.
Je suis usée rien qu'à l'idée de faire ça, quoi. Je vais passer un coup d'abord sur mon sol. C'est bon. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle journée. C'est monté, hein. Je vous ai pas montré du coup, mais ça y est, c'est monté. Je vais vous montrer ça vite fait. J'ai mis donc du coup toutes les chaussures ici. Ça c'est pour le boulot d'Alex, au moins il a son truc. Tac. Et le côté penderie. Voilà. Et là-bas c'est écharpe bonnet. Donc bon, une bonne chose de faite, c'est cool. Alex est en train de se préparer et on va aller à Cholet. On dit Cholet ou Cholet? Cholet. Et on va passer donc du coup à Stokomani. On va aller à Cash Truc. Je sais pas comment ça s'appelle, Easy Cash je crois. Voilà, j'aimerais bien voir s'il y a des petits livres à toucher aussi pour habiller Robin dedans. Et Abby est en train de vider le lave-vaisselle. Non! Qu'est-ce que tu fais? On va mettre le manteau? Viens! On va mettre le manteau. Viens! On va mettre le manteau. Allez! Et donc, du coup, au niveau de ma tenue, j'ai mis un legging, le huilé noir de chez Ocean's Apart, avec le pull qui est de la collection unisex. On va rien voir parce que c'est tout noir. Est-ce que si je vous mets là, vous allez mieux voir? Tac, vous voyez? Hop là. Parce qu'en fait, l'intérieur, il est tout polaire, c'est tout doudou. Coucou. Ça va? Et vu qu'il fait un froid polaire dehors... Je préfère faire ça. Je sais pas si je mets ce bonnet ou un autre. J'ai l'impression d'avoir une tête d'œuf avec ce bonnet là. J'hésite. Et pour la poussette, on prend la Twist Check comme d'hab. Vous voyez comme elle est super. Vous voyez comme elle est super compacte et très légère pour pouvoir la porter comme ça facilement. Et c'est pour ça que j'aime bien l'emmener quand je vais quelque part. Hop. Elle se déplie super facilement. Et puis bah franchement elle prend pas de place hein, regardez. C'est très très bien et par contre je pense que je vais prendre un plaid parce que il caille quoi. C'est ta poussette Minou? Tu l'escalades? C'est pas une bonne idée hein. Tiens. Et du coup hop, je vais emmener les gourdes. Au cas où on a des petits... Hey. Tiens. N'importe quoi. Attention hein. Au cas où qu'on ait besoin, donc je vais emmener un petit gâteau. Pareil, je vais prendre ça là de chez Twist Check. C'est une glacière. Vu le temps qu'il fait dehors, hein, je m'inquiète pas trop. Mais apparemment, Alexis veut une petite 7-Up. Je vais emmener des petits gâteaux. Et j'ai pris quoi? Couche et lingette, mais c'est là-bas. Donc du coup, au moins, on a ce qu'il faut. Et ça, c'est vachement pratique. Hein. Celui-là, il est très très bien aussi. Si vous cherchez une bonne glacière, je vous la conseille. Elle a ce compartiment-là au-dessus. Elle a là un petit zip si vous voulez mettre des papiers ou quoi. Donc voilà, allez hop, c'est parti. Vous voyez, il y a ça aussi chez Twist Check. C'est un petit tapis allongé nomade. Hop, avec un petit coussin au niveau de la tête. Et deux compartiments. Donc, on a un beau dessin. Et hop, je vais le re-remplir parce que la dernière fois, je l'avais complètement vidé. Et moi, je suis toujours sur les couches et les lingettes Little Big Change. Donc voilà, je vais le remettre parce qu'il était dans la voiture mais vide. La dernière fois on avait tout utilisé, je n'avais pas à remplir aussitôt. Voilà, les enfants sont installés, c'est un peu le bazar là. Oui. Moins deux. Ah c'est mieux. Allez, on est arrivé. On a un kebab à manger. Coucou. Coucou, qu'est-ce que t'as encore fait? C'est pas vrai. On lève toujours ses chaussures. Coucou. Coucou. Oui, alors attention. Si ça glisse, comment tu veux? Assieds-toi sur moi. C'est le sac. Oh, yes. Le sac.
à taper. Non, on tape pas les animaux. Si, mais ça. Hop, on va manger. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pour le truc à ton frère, ça. Ça. Viens maintenant, regarde. Manger un kebab. J'ai fui le mec d'histoire. Au kebab, il fait moins 2 ressenti, moins 9, moins 10 dehors. Le gars, il est en t-shirt. Ouais. Non, franchement, c'est pas possible, faut pas faire un truc pareil. J'ai pris Emily et Arthur, c'est des collections que j'avais quand j'étais plus jeune et j'aimais bien ce petit personnage. Donc c'était pas cher, c'était 20 centimes le livre. Donc j'ai pris celui-là. J'ai ensuite pris Petit Prince Pouf, donc lui c'était 50 centimes. Celui-ci aussi il est pas mal, on est le lendemain hein, au fait. Voilà, tac, donc ça sera très bien. Et un dernier que je ne sais pas du tout où il est. Ah bah tiens, bah il est là. Du coup, Lilou joue à la poupée et lui il était à 99 centimes. Voilà, ça c'est vraiment un livre pour petits, vous savez, cartonné. Donc elle a regardé ça tout le trajet en voiture, c'était très bien. Tac. Bon bah maintenant je vais la ranger. Hein. Oui. Abby elle est là-bas. J'ai acheté ça aussi là. Chez Ikea pour mettre les vêtements des petits que j'ai en accueil. D'ailleurs, j'ai le bonnet d'une des petites. Je suis en vacances et j'ai oublié de le... Oui, parce qu'en fait, les parents arrivent par là. Au moins, comme ça, hop, on met ça direct ici et puis ça sera beaucoup mieux. Et du coup, ici sur Instagram, je vous avais dit que je changeais la patère qui était là. Qui était vraiment moins bien parce que les accroches, elles n'étaient pas plates en fait derrière. Ça faisait un petit déport, c'était pas beau, franchement. Donc pareil, chez Ikea, j'ai trouvé celle-ci. Qui est pas mal du tout parce que c'est vraiment haut, etc. Je peux bien séparer sac et manteau. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait ici. Et vous avez des petites étiquettes dans lesquelles je vais noter Antonin, Abby, Robin, enfin bref, voilà. Que vous pouvez slider. Donc ça, je vais le faire avec ma Cricut. J'ai acheté du vinyle blanc également pour pouvoir le mettre dessus. Et puis bah, ça sera nickel comme ça, franchement. Voilà. Donc là, on est dans le couloir. Je vais passer le balai vapeur. Voilà, tac, et puis ça on l'a mis en vente parce que je ne l'utilise pas. J'aimerais bien avoir un défroisseur vertical, ce sera beaucoup plus simple. Parce que franchement, pour le peu que je repasse, je vois pas trop l'intérêt d'avoir une centrale. Même si c'est quand même hyper pratique, hein, y a pas à dire. Mais ça prend de la place quoi. Donc voilà, on verra. T'avais quelqu'un d'intéressé hein, pour la centrale? Donc bon, on verra ce que ça donne.